Bonjour, aujourd'hui je suis ici pour vous présenter la deuxième partie du bracelet serveur. Voici ce que ressemble le bracelet après la première étape. Je vous invite à regarder la vidéo de la première étape. Là, vous avez votre élastique resté sur votre crochet. Vous prenez votre plaquette, bien évidemment. Alors, c'est ce que c'est. Vous prenez la couleur du bracelet et vous mettez en ligne droite. Moi, je vais faire la grandeur pour un enfant. Parce que je vends des bracelets et je fais. Alors, une fois la grandeur de votre rallonge obtenue, vous prenez les élastiques ici, vous mettez ici et là. Vous laissez pendre. Vous rentrez dedans, vous prenez, reprenez. Vous prenez les élastiques ici, vous les ramenez là. Et vous prenez votre attache et vous le mettez ici. Alors ça vous donne ça. Et vous enlevez tout. N'ayez pas peur, hein. Et voilà, ça vous donne ça. Vous prenez l'autre bout, ici, l'anneau, et vous le passez dedans. Et voilà, ça vous donne votre magnifique bracelet. Je ne pourrais pas le mettre en foyer parce qu'il est trop petit. Mais j'ai fait un autre bracelet comme ceci et sur le poignet, il me va comme un gant. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu de ce magnifique bracelet. Vous avez appris comment faire un bracelet de plus. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!